il y a un produit que Jackie le poissonnier écoule sans problème. Ces crevettes. Avec un filet d'huile d'olive, piment d'Espelette, un peu de gros sel, à la poêle, il n'y a rien de meilleur que la gambasse. Aïe, 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 le petit pote là, ici les blédards. Aujourd'hui, on prend la parole pour vous informer que la précédente communication des Ramirez est caduque. Effectivement, on n'est pas content, fâché, de cette fin de guerre et avertissant Rodolphe et son groupe de crustacés. Rodolphe, à l'issue de ce petite vidéo là, qui va être uploadée sur YouTube, tu verras les deux derniers membres de ta famille se faire exécuter par nous. Et je te promets, ce sera les derniers. Et tu diras aussi à tes petits employés là qui travaillent à Carbu Flash de faire des milliers et des milliers pour nous payer la petite somme de 15 millions là. Pour enfin arrêter cette putain de guerre. Et nous allons te demander une dernière chose. Un petit texte, une petite vidéo comme nous. Où tu diras pour mot pour mot. Nous excusons auprès des blédards, les magnifiques blédards. Suite au fait que nous avons voulu revendiquer leur douce méthamphétamine. Nous excusons auprès des blédards et de leur famille endeuillée. Et pour terminer, nous mettons fin à cette guerre. Toujours quand nous n'avons plus les ressources nécessaires pour la continuer. Bref, mon petit Rodolphe, je te laisse faire ton petit texte là, notez ce que j'ai dit. Prends ta petite caméra de youtubeur, mets-y du cœur et tu trouveras une vie paisible. Allez, bye bye mon petit pote. On va commencer par toi, G.I. Joe à ma gauche. Nom, prénom. Steven Smith. Âge. 28 ans. Nationalité. Belge. T'as la famille sur l'île? J'ai la famille. Non, j'ai pas de famille sur l'île. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui t'a fait venir sur l'île d'Altis? La Belgique, ça a été chaud avec le crash boursier, du coup j'ai décidé de venir ici. Très bien. Quel est ton rôle actuellement sur l'île? Qu'est-ce que tu fais? Je suis co-PDG chez Carbu Flash. Très bien. Est-ce que tu as une quelconque appartenance avec un membre des Ramirez? Réponse intéressante et importante. Tu réponds bien, tout se passe bien. Tu réponds mal, tout se passe mal. Alors, j'ai des connaissances avec des Peaky Blinders et des membres du cartel. Mauvaise réponse. Ah, merde. T'as quoi le choix de réponse, hein?